merci, je file, sinon je vais être coincée dans les embouteillages. Tu veux que je te rapporte quelque chose? Non, ça va, merci. Cette fois, je m'achète un tailleur. Tu te souviens, dans la petite boutique? Enfin, si j'arrive à la retrouver. À ton avis, je le prends en noir ou en rose? Oh, j'aime bien les deux couleurs. Et... arrête donc de te faire du souci. Dans 3 jours, tout sera réglé. J'espère. Tu veux vraiment pas que je te rapporte quelque chose? Non. Ah, mais s'il te plaît, appelle-moi dès que tu seras de retour. Si tu veux, je peux t'appeler de Zurich. Non, non, vaut mieux pas. D'accord, alors je passerai aussitôt que je serai revenue. Bon voyage. Merci. Et encore merci pour tout. Ce n'est rien. T'en ferais bien autant pour moi, non? Salut Dieter de ma part. Bon, j'y vais. Au revoir, Marion. Au revoir. Amuse-toi bien. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. À plus tard. Mais si, il y a quelque chose qui ne va pas. Tout va bien, je n'ai rien. T'as raison, Picole. Je t'en prie, c'est le premier verre de la journée. Écoute, Marion, il faut qu'on arrête ça. On ferait mieux de discuter. Vas-y, j'écoute. Il est presque 9h, il faut que tu y ailles. Ils peuvent attendre. Oh, tiens donc, mais pourtant je croyais que c'était des partenaires commerciaux de la plus haute importance. Oui. À moins que tu n'ailles retrouver une femme, ça doit te coûter cher d'en trouver une qui veuille bien de toi. Marion, arrête, je t'en prie. Je me pose une question, est-ce qu'il y a des femmes qui aiment ça? Quand un type pue le whisky et la transpiration, réponds. Il y a vraiment des femmes que ça excite? Marion, s'il te plaît, arrête, ça va mal se terminer. Ah oui, qu'est-ce qui va mal se terminer? Tu vas me frapper, mais vas-y, frappe-moi. Mais tu sais bien que je ne te toucherai pas. Oh, espèce d'ivrogne. En même temps, ça suffit, Marion, calme-toi. Salaud. Et arrête de m'insulter. Arrête de crier comme ça. Mais c'est toi qui me cherches. Moi, je te pousse à vous. Arrête, Marion, je t'en prie. Allez, ça y est, ça recommence. Mais qu'est-ce que tu as? Si ça continue, ils vont finir par s'entretuer. Eh bien, comme ça, on aura la paix, tant mieux. Il y en a marre de ce bouquin. S'il te plaît, Nico, viens, viens avec moi. Non, il faut que je te parle. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, je viens d'avoir une dispute horrible. J'allais justement partir. Mais il faut absolument que je te parle. Non, s'il te plaît, tiens, viens maintenant. J'ai un rendez-vous, je peux pas. Je n'ai plus rien à foutre. Tu as un rendez-vous, non? Je t'en prie, allez, monte, viens. Bon, d'accord. Écoute, va devant au Blue Note, je te rejoins. Mais tu me le promets, hein, je compte sur toi. Oui, t'inquiète pas, prends un verre en m'attendant. Mais c'est sûr. Eh oui, je te le promets, allez, sois prudent. Fais attention à toi. C'est moi qui vous le dis. Abruti. J'espère au moins que c'était un chien de race. Non, non, une espèce de caniche ridicule tout parfumé. Quand Umba l'a vu, il l'a tiré comme un sauvage en m'enroulant la laisse autour des pieds et je suis tombé sur mon genou. Ah. Eh oui, voilà où ça mène, l'amour. Dis donc, ta parente. On m'a dit que c'était un chien gentil, réservé, intelligent et adroit. Attends, laisse. Non, laisse-moi, je peux le faire. Ne bouge pas. Allô, oui? Non.
Non, il ne peut pas venir au téléphone pour le moment. Je peux prendre un message? Ouais. Ouais, je lui dirai. Au revoir. Un certain Kesten, il paraît que c'est un de tes clients. Il vient de rentrer chez lui et il a trouvé sa femme dans le bureau. Et alors? Morte. Dites-moi, monsieur Kesten, y a-t-il des choses de valeur dans le coffre? Vous êtes ingénieur, alors des plans, des formules ou autre chose? Le coffre... Mais quoi, quel coffre? Ah, le coffre-fort. Alors, il n'y a rien dedans, ça. Il est ouvert? Mais pourquoi est-ce qu'il est ouvert? Bon, reprenons depuis le début. Racontez-moi tout. À quelle heure êtes-vous rentré chez vous? Ah, j'en sais rien, je... Monsieur Kesten m'a appelé vers 11h15. À 23h19, très exactement, j'ai regardé l'heure. Bien, monsieur Kesten, reprenons. Voyez bien dans quel état se trouve mon client. Il est incapable de répondre à vos questions pour le moment. Monsieur Kesten, vous ne dites plus rien tant que vous êtes ivre. Vous m'avez compris, monsieur Kesten? Oui, maître. Monsieur le commissaire, à mon avis, tout porte à croire que cette femme a surpris le cambrioleur et qu'il l'a tué. Oui, c'est possible. Ce n'est pas un cambriolage. Derrière, tout est intact. Je veux une analyse de sang de Kesten. Et puis, il va rester chez nous jusqu'à ce qu'il ait dessoulé. Il peut aussi bien se dégriser ici. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas rentrer chez lui après la prise de sang? Nous n'avons trouvé aucune trace d'effraction. Monsieur Kesten, je vous mets en garde à vue. Faut pas stationner ici, s'il vous plaît. Monsieur Kesten. Monsieur Kesten, n'oubliez pas, pas un mot tant que je ne suis pas là. Oui. Dites-le. Mais qu'est-ce qui se passe? Nico, mais où est-ce que tu étais? J'y suis allé, mais t'étais déjà parti. Nico. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tué Marion. Quoi? Ils ont tué Marion. Avec quoi, il n'y a pas eu de problème? C'est normal. Toi aussi, tu sais te tenir quand il n'y a pas de femme dans les parages. Je t'en remercie. T'as mal au genou encore? Ah non. Faut que je conduise? Ça va aller. Allez, pousse-toi de là. Laisse passer l'ambulancier. Ça, c'est un ami. Ouais. Dis-lui merci, Umba. Oui, ça alors, c'était des gens qui se disputaient souvent. Tous les soirs, on les entendait. Qui c'est, Umba? On savait que ça finirait mal. Eh bien, admettons que Kesten ne soit pas coupable. Comment le meurtrier est rentré dans la maison? Commissaire, s'il vous plaît, vous pouvez venir? La police a peut-être déjà la réponse. Pas encore, maître Franck, mais vous pouvez être sûr que nous envisagerons tous les cas de figure. Commissaire, c'est monsieur Yost. Je suis venu tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Yost est le frère de madame Kesten. Monsieur Yost, je suis désolé pour votre sœur. Vous êtes le frère? Oui. Dites-moi, monsieur Matula, vous avez encore des déclarations à faire? Non. Alors vous n'avez plus rien à faire ici? Ça, je dois reconnaître qu'avec deux policiers aussi qualifiés, un détective privé est vraiment superflu. Et ses commentaires également. J'emmène Umba au bureau. D'accord, je prendrai un taxi, je te remercie. Au téléphone, on m'a donné aucun détail. Comment c'est arrivé? Nous n'avons pas... Elle était étendue là. Est-ce que quelque chose a disparu? Enfin, quelque chose de valeur? Non, rien de particulier. D'après monsieur Kesten. À partir de 9h, vous étiez au Blue Note. Ensuite, vous êtes allé au Minouche. Vous êtes resté jusqu'à 10h. Nous avons contrôlé, c'est exact. Mais après 10h, vous ne savez plus. C'est du moins ce que vous prétendez. Oui, absolument. La seule chose dont je me souvienne, c'est d'avoir ouvert la porte d'entrée. Oui, ça, je sais, ça fait 3 fois que vous le dites. Et aussi que vous êtes parti à 21h, ce que les voisins ont confirmé. Ils ont également parlé d'une grosse dispute. C'est la raison pour laquelle monsieur Kesten s'est saoulé de la sorte. Mais ça, vous le savez, non?
Oui, un taux d'alcoolémie de 2,6, ça n'est pas rien. Et ça pourrait expliquer un trou de mémoire. C'est pratique, un trou de mémoire. C'est tout de même bizarre qu'il se souvienne uniquement des choses qui pourraient l'innocenter. Oh, mais ça n'a aucun sens. Il a plutôt intérêt à vous dire où il est allé en dernier s'il veut prouver son innocence. Je vais vous dire comment nous voyons la chose. Et interrompez-moi, maître, si je dis une bêtise. Monsieur Castaigne quitte la maison pendant la dispute. Il fait le tour des bistrots, boit pour se donner du courage et retourne voir sa femme pour s'expliquer avec elle. Il est alors entre 22h et 22h30. Or, d'après le médecin, le décès de sa femme remonte à cette heure-là. J'aimerais avoir un café. Bien sûr, servez-vous. Personne ne voit Monsieur Castaigne rentrer chez lui. La dispute interrompue se poursuit, brève mais violente. Monsieur Castaigne perd le contrôle de lui-même et frappe sa femme avec un objet. Elle meurt sur le coup. Que faire? Son cerveau brouillé établit alors le plan suivant. C'était un cambrioleur. Il force le coffre, le vide sur le sol et appelle son avocat. Son avocat, pas la police. Comment aurait-il pu forcer le coffre? Monsieur Castaigne n'est pas un cambrioleur professionnel. Certes, mais il est ingénieur. C'est exact. Mais pour forcer un coffre, même un ingénieur a besoin d'outils. Il les a fait disparaître, ce qui n'était pas très futé. Et puis il a fait une autre erreur. Comment le cambrioleur est-il entré? Il n'a même pas brisé une vitre. Non, non. Mais pourquoi est-ce que j'aurais fait ça? Mais pourquoi est-ce que j'aurais tué Marion? Mais je vous l'ai déjà dit, j'aime ma femme. Vous disputiez souvent. Mais oui, bien sûr, on s'engueulait. Mais comme dans tous les couples. Vous êtes mariés, non? Vous vous disputez jamais avec votre femme? Admettons que vos déclarations soient justes. Il n'y avait rien dans le coffre qui justifiait un meurtre. Quelques bijoux pour une valeur de 5000 marques. Et de l'argent, 800 marques. Avant de l'avoir ouvert, qui peut savoir ce qu'il y a dans un coffre? Les cambrioleurs vont toujours là où ça en vaut la peine. C'est pas moi, je le jure. Je suis incapable de tuer ma femme. Bonjour, monsieur Yost. Bonjour. Est-ce que je peux entrer? Bien sûr, je vous en prie. Merci. Faites pas attention, je suis en plein ménage. Ce soir, j'organise une petite fête. Asseyez-vous. Merci. Vous êtes bien un détective privé? Oui, pourquoi? J'aurai un job pour vous. 400 par jour, plus les frais. Je sais pourquoi ma sœur a été assassinée. Alors pourquoi vous n'allez pas voir la police? C'est un peu compliqué. La police ne doit rien savoir. Il va falloir que vous m'expliquiez ça. Mon père avait un magasin qui marchait bien. Alors à chaque fois qu'il pouvait, il investissait dans sa collection de médailles, des médailles romaines. Il nous répétait toujours que c'était un placement de valeur plus sûr que les actions. L'année dernière, les choses se sont gâtées. Il a été obligé de déposer le bilan. Mais avant, il a mis les médailles dans une valise et les a apportées chez Marion. 3 jours plus tard, il est mort. Infarctus. Et votre sœur a gardé les médailles? C'était pas facile de les vendre. Surtout la collection complète. Sinon, n'importe qui aurait pu identifier la collection. Et au détail, les pièces perdent la moitié de leur valeur. La collection complète vaut combien? 5 millions. 5 millions? Laissez-moi deviner. Les médailles étaient dans le coffre. Ce que vous attendez de moi, c'est que je retrouve la collection en attrapant le meurtrier. Si possible avant la police, qui ne doit rien savoir de tout ça, sinon les créanciers viendront réclamer leur dû. Et si Castaigne est le meurtrier? Ça change rien à votre mission. J'aimerais qu'on rediscute les conditions. Vous voulez une prime de réussite, c'est ça? 10%.
10%? Dans ce cas, je fais les recherches moi-même. 3%, pas plus. 7. 5. Adieu, j'ai vendu. Qu'est-ce que vous faites? Oh, simple précaution. Je me suis déjà fait avoir pour une histoire du même genre. Ça m'a coûté la bagatelle de 100 000 marques. La maison a une porte blindée. On ne peut pas refaire de clé sans l'autorisation de M. Kesten. La société qui les fabrique en tient une comptabilité précise. Il en existe 4. Nous en avons 3. D'après M. Kesten, c'est sa femme qui aurait perdu la 4e. Est-ce qu'il y a eu cambriolage? Non, aucune trace. La victime a pu laisser entrer le malfaiteur elle-même. Il n'y a pas d'indice laissant supposer une éventuelle visite. Je vous en prie, ce n'est pas une preuve. Le meurtrier aurait très bien pu faire disparaître ses empreintes. Nous avons interrogé les voisins, personne n'a vu qui que ce soit. Et le motif? Dispute fréquente avec sa femme. Excusez-moi, ceci n'explique pas un meurtre. Je crois que vous feriez mieux de chercher à savoir où se trouve la voiture de M. Kesten. Peut-être aurions-nous enfin son alibi. Au regard des preuves versées au dossier, il y a présomption. J'ordonne donc la mise en détention préventive de M. Kesten. Au revoir, Maître Franck, à bientôt. Au revoir, Monsieur le Commissaire. Bravo, vous avez vraiment été remarquable. On ne peut pas dire que vous me facilitez la tâche. Vous devez tout de même pouvoir vous rappeler où vous avez laissé votre satanée voiture. Quand on boit, on retourne toujours dans les mêmes bistrots, là où on connaît des gens, où on voit des amis, c'est évident, non? Je n'en sais rien. Monsieur Kesten, faites donc un effort. Où étiez-vous hier soir? Et puis, il lui a carrément ficelé les jambes et il a tiré. Ben alors, mon petit Oumba, on tombe amoureux et on entraîne son maître. Eh oui, plus dur est la chute avec les femmes. Salut Joseph. Salut Rainer. J'ai pas beaucoup de temps. Ah, ça sera très rapide, juste une petite question. Oh, je les connais, tes petites questions. Et votre genou, ça va? Tu pouvais pas tenir ta langue, toi? Eh oui, on s'inquiète de toi. Oh, très touché. Qu'est-ce que tu veux au juste? Le dénommé Yost vient de passer chez moi. Tu sais, le beau-frère de Kesten. Il m'a raconté une histoire à dormir debout. Pour ça, il a trouvé la bonne adresse. Monsieur Kesten, il y avait pour 5 millions de marques de médailles en or dans votre coffre et vous dites que vous n'en saviez rien. 5 millions de marques, vous vous rendez compte de ce que ça représente? Je ne savais pas. Combien de fois faudra-t-il que je vous le dise? À propos, comment avez-vous appris ça? C'est pas important. Hein, c'est clair. C'est certainement Yost qui vous a raconté ça. Il a dû se précipiter aussitôt. Cette espèce de mendiant, il est toujours là quand il a quelque chose à récupérer. Il a toujours vécu au crochet de Marion jusqu'au moment où je l'ai fichu à la porte. Eh oui, bien sûr. Il devait certainement être au courant pour les médailles. Et votre femme n'y a jamais fait allusion devant vous? Non. Vous avez pourtant dû remarquer qu'elle avait mis quelque chose dans le coffre? Je l'ai vu déposer un coffret un peu avant la mort de son père. Elle m'a dit que c'était des documents, des papiers, des lettres qui ne concernaient que sa famille. Et moi, je l'ai cru. Comment vous dire, chacun de nous avait accepté que l'autre ait son jardin secret. Image poétique pour désigner des mensonges. Et jusqu'où allaient ces jardins secrets? Justement, assez loin pour que personne ne se permette de lire les lettres de l'autre. D'accord, admettons que vous n'ayez vraiment jamais rien su de cet homme. C'est vrai, je n'en savais rien. Maître, je vous en prie, surtout ne faites aucune allusion à cet or devant la police. Ils iraient encore déformer les faits. Ce qui leur manque principalement, c'est un motif solide. Et ça les arrangerait de prétendre que j'ai tué ma femme pour avoir l'or. J'en crois pas un mot. Je suis d'accord avec toi, ça paraît invraisemblable. Ça, tu l'as dit. Si je déposais 5 millions en or dans ton coffre, je crois que tu t'en apercevrais, non? Pourtant, nous ne sommes pas mariés.
Mais on s'aime. Bon, ça suffit maintenant, Joseph. Non, je suis pas malade, la journée, tu dois bien faire attention à ton genou. Repos. Entendu? Dis donc, ça devait quand même être un drôle de couple. Oui, c'est sûr. Ils se sont rendus la vie impossible. Pourtant, ils tenaient l'un à l'autre. Ça arrive. Tu veux un verre de vin? Ah oui, volontiers. Le vin rouge, il n'y a rien de tel comme remède pour un genou esquinté. Voilà. Merci. Bon. Et maintenant, si tu me disais ce que tu me veux. Joseph, j'ai besoin de ton aide. Et c'est quoi ce que je fais en ce moment, hein? Non, je n'ai pas dit que j'avais besoin que tu me maternes. D'ailleurs, ça, c'est le coussin d'Umba. Je peux pas travailler à la fois pour Yost et pour Kesten. Kesten ne veut pas de cet or. Tiens, donc. Peut-être qu'il l'a déjà. Kesten veut le meurtrier de sa femme. En effet, ça a l'air très simple. Pour Yost, les médailles. Pour Kesten, le meurtrier. T'as besoin d'autre chose? Oui, un alibi pour Kesten, ce serait chouette. Aucun problème. Je connais quelqu'un qui en vend à l'appel. Reste assis bien gentiment et bouge pas ton genou. Hey, fiche le camp, tu m'énerves. Ouais. J'ai dit assis. Oh, c'est bien. Ciao, bello. Ciao. Possible dans votre milieu, ça doit se savoir quand il y a de l'or qui circule. Ah, vous savez, il y a tellement de choses qui circulent ici. Aucune idée. Vous trouvez ça drôle? Qui m'a proposé une maison dans cette rue. Mais vous savez comment sont les agences. À les entendre, tout est toujours parfait. Oui, oui, je connais ça. C'était pareil pour nous. Et puis un jour, la cave a été toute inondée. Vous pouvez me tenir ça, s'il vous plaît? Oui. De quelle maison s'agit-il? Celle qui est en face, à 67A. Quoi? Kesten est même obligé de vendre sa maison? Comment ça obligé? L'agence ne m'a pas du tout dit ça. Bien sûr qu'il est obligé, le pauvre.
Il n'a plus du tout d'argent. Avant, il roulait en Mercedes et maintenant, il a une voiture japonaise. Mais il entretenait bien sa maison, non? Ah oui, oui, ça on peut pas dire. Il y a encore un an, il avait même un jardinier. Un jardinier? Oui, un jardinier et une femme de ménage. C'est eux qui s'occupaient de tout. Et lui, il s'occupait d'elle, je veux dire, de la femme de ménage, bien sûr. Ah bon, il est comme ça? Tenez-moi ça. Oui, il ne laissait pas passer une occasion. Il avait toujours des maîtresses. Mais qu'il en soit arrivé à tuer sa femme, je ne l'aurais pas cru capable de ça. Quoi? Soyez gentil, passez-moi ça. C'est vrai? Il a tué sa femme? Oui. La nuit dernière, il avait bu et il l'a tuée. Enfin, je comprends que l'agence ne vous ait rien dit. Franchement, personne n'aurait envie d'habiter dans une maison où quelqu'un a été assassiné. C'est tout à fait normal de rencontrer des problèmes de trésorerie quand on dirige une entreprise commerciale, non? Alors, c'est donc vrai? Alors maintenant, ça y est, vous allez croire que j'ai tué ma femme pour prendre l'or et redresser mes affaires. Je n'ai pas du tout dit ça. Mais si le procureur l'apprend, il va probablement le supposer. C'est pour me défendre que vous êtes ici, pas pour trouver des pièces à conviction. Alors, de votre côté, faites vraiment preuve de sincérité. Vous m'avez dit que chacun de vous deux avait son jardin secret. Seulement, vous avez omis de me dire ce que vous, vous entendiez par là. Et surtout, que vous aviez des maîtresses. Mais en quoi est-ce que ça concerne mon couple? Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait que j'ai toujours aimé ma femme? Monsieur Kesten, sachez que personnellement, je me fiche éperdument que vous ayez eu une, deux ou cent maîtresses dans la mesure où je suis ici en Ces tant qu'avocat. Ces autres femmes n'ont jamais menacé mon couple. Vous comprenez ça? J'ai toujours aimé ma femme. Rien n'aurait pu nous séparer, absolument rien. S'il vous plaît, maître. Puis-je vous demander de me rapporter quelque chose? Quoi donc? Dans mon bureau, sur mon secrétaire, vous trouverez une photo dans un petit cadre en argent. J'aimerais bien la voir. C'est une photo de ma femme. D'accord, j'irai vous la chercher. Au fait, vous savez, ce détective privé dont je vous ai parlé. Matula? Il s'est déjà mis au travail. Ah, bonjour, monsieur Yost. Eh, absolument, je suis justement en train de découvrir quelques points intéressants. Oui. Non, 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 pas de problème, monsieur Yost. Bah, naturellement, vous pensez. Eh, bien entendu. Des pistes? Oh, il y en a, bien sûr. Oui, 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 absolument. Oh là là, vous pouvez me faire une entière confiance. Un petit instant. Je suis en train d'établir des communications, vous savez. Oui. D'accord, si ça mord, je vous préviens tout de suite. Salut. Tiens, Matula. Alors, comment ça va? Jusqu'à maintenant, ça allait encore. Dis-moi, l'histoire pour laquelle je t'ai appelé hier... C'est une histoire louche. Ça me plaît pas du tout. Pourquoi? Elle me plaît pas, c'est tout. Arrête! De l'or ensanglanté, ça fait désordre. Les flics, les radias, personne peut plus travailler tranquille. Bon, et alors, t'as trouvé quelque chose? J'ai un peu tendu l'oreille à droite à gauche. Une espèce de petit cambrioleur qui m'a l'air assez doué, en fait.
Il est venu trouver son trafiquant il y a environ 2 semaines et il lui a parlé de l'or qu'il allait lui apporter. Des médailles. Des romaines. L'autre lui aurait répondu, c'est trop dangereux, va voir ailleurs. Eh ben dis donc. Et où il est allé avec ses médailles? Oh, j'en sais rien. Moi, c'est tout ce que j'ai entendu. Je crois qu'il s'est pas encore débarrassé de la marchandise, sinon j'en aurais entendu parler. Génial. Et est-ce que par hasard tu aurais le nom du cambrioleur? Non. Bien sûr, ça aurait été trop beau. Valdi, c'est comme ça qu'il l'appelle. Valdi, comme un chien. Merci. On est quitte maintenant. Presque. Allô, oui, j'écoute. Quoi? Mais à quelle heure exactement? Oui. Bonjour. C'est la voiture? Oui, oui, elle est là depuis avant-hier. J'ai appelé plusieurs fois, mais personne ne répond. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'avocat de Monsieur Kesten? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il a des ennuis parce qu'il a conduit en état d'ivresse? Entre nous, il était déjà plutôt fait quand il est arrivé ici. Quelle heure était-il? Oh, il devait être dans les 22 heures. Vers 22 heures? Oui. Et à quelle heure est-il parti? Oh, j'en sais rien, moi. Et il voulait prendre sa voiture, mais je ne l'ai pas laissé partir. Je lui ai pris ses clés et j'ai appelé un taxi. Vous avez le numéro de la centrale des taxis en tête? Et bien sûr. 25-0001. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est si important que ça, l'heure? Alors là, j'en suis sûr. Cette nuit-là, j'ai eu qu'un seul client. Il était vraiment saoul? Oh, complètement beurré, oui. Il savait même plus comment il s'appelait. En tout cas, il était calme. Heureusement, sinon je l'aurais jamais pris avec moi. Et puis on a regardé sur sa carte d'identité pour voir là où il habitait. Et pendant le trajet, il s'est remis un peu, si bien qu'on a pu ouvrir sa porte d'entrée. Est-ce que vous vous souvenez de l'heure à laquelle vous avez déposé M. Kesten? Ouais, il devait être un petit peu après 11h. Un peu après 11h, vous en êtes bien sûr? Écoutez, j'ai une montre, une pendule dans la voiture et en plus je vois clair. Est-ce que je peux y aller maintenant? Oui, je vous en prie. Et merci encore. Valdi. Ouais, ouais. Tu le connais? Ouais, enfin, il vient souvent ici. Valdi ressemble vraiment à un chien. C'est pour ça qu'on lui a donné ce surnom? Non, non, c'est pas pour ça. Mais ça lui va bien. En fait, son nom, c'est quelque chose avec Vald, en tout cas, Valner, ou Valder, ou Valmeister, enfin, un truc de ce genre. Et son adresse, tu la connais pas par hasard? Non, d'ailleurs, je veux pas connaître l'adresse de mes clients. Tu sais, après, il y a des types bizarres qui viennent et qui te questionnent, alors j'en sais rien. C'est à moi que tu fais allusion? Non, non. Toi, je te connais. Ah. Tu lésines pas, tu payes toujours bien les bons tuyaux.
ça y est, je me souviens. Waldman. Mathias Waldman, oui, c'est ça. Adresse. Tu as besoin d'autre chose? À part moi, quelqu'un d'autre l'a demandé? Celui du dessus, il habite juste au-dessus de chez moi. Il est tombé comme une pierre, j'ai bien vu. Non, il s'appelle Waldman. C'est ce que je dis, celui au-dessus de chez moi. Mademoiselle, vous êtes sûre? Waldman? Allez, allez, dégagez. Mais bien sûr que c'est lui. Il habitait au 12e étage. Oui, oui, absolument, je peux vous l'assurer, je le connaissais. Mathias Waldman, c'est ça. Oui, pourquoi, vous le connaissiez? C'était un de vos amis? Non, c'était pas vraiment un ami. Avoue que c'est tout de même singulier. C'est plus que singulier. Je suis sur une piste et le type saute de son balcon. S'il a vraiment sauté. Maître, voulez-vous me signer ça, s'il vous plaît? Non, non, je peux pas maintenant. Ces documents doivent être postés avant 14h. Vous savez bien qu'une lettre pour Offenbach met 3 jours. Comment ça se fait qu'on ait libéré mon beau-frère? Il m'a tout de suite appelé pour m'insulter. Castan est libre? Oui, ouais. Parce qu'il a un alibi. Bonjour, monsieur Yost. Bonjour. Et même un alibi en béton. C'est moi qui l'ai trouvé. Avec un peu de chance, je l'avoue. Ah bah, tu t'embêtes pas. Moi, il m'en faut du travail pour gagner mes 250 000, pas vrai, monsieur Yost? Vous avez encore négocié une prime, hein? Oui, madame. Attention, pense à la dernière fois. Cette fois, j'ai un contrat. Incroyable! Les leçons te servent encore à ton âge, bravo. Prenez place, monsieur Yost. Je ne fais plus jamais deux fois la même erreur. Vous n'avez pas envie de faire quelque chose pour gagner votre argent? Jusqu'à présent, vous n'avez rien trouvé. Et vous, alors? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous croyez vraiment que vous pouvez aller fouiner dans le milieu sans qu'on vous remarque? Sans contact, vous n'obtiendrez rien, même si vous leur donnez beaucoup de fric, croyez-moi. Fallait bien que je bouge. Et Marion, elle... Et tout l'or dont vous pourriez avoir un besoin sûr, Jean? Ça vient de Kesten, hein? C'est lui qui vous a raconté ça. Il est gonflé, il n'y a pas pire rapace quand il s'agit d'argent. Ça nous avance à rien. Bon, maintenant, il faut tout reprendre à zéro. Au fait, où est-ce qu'on en est avec la quatrième clé? Elle a refait surface entre-temps? Je suis sûr que Kesten a menti. Marion ne l'a certainement pas perdue, c'est lui qui a dû la donner à quelqu'un. Au meurtrier? Il y a encore une autre possibilité. Laquelle? Que ce soit Madame Kesten qui ait donné la clé à quelqu'un d'autre sans en parler à son mari. Et pourquoi est-ce qu'elle aurait fait ça? C'est justement la question qu'on se pose. La question clé. Encore moi. Ah, Nico, c'est bien que tu sois là. Ah, il faut bien que quelqu'un s'occupe de toi. Ça va mieux? Oui, si on peut dire. Tu ne peux pas savoir, la prison c'était un cauchemar. Ça m'a touché que tu sois venu me chercher. Arrête, c'est normal. Dis-moi, c'est vrai que ton avocat a sous-entendu que tu avais tué Marion pour quelques médailles en or? Pas sous-entendu, il m'a suspecté. Ah, j'en aurais collé une, moi. Ah oui, ce sera pour la prochaine fois. Et à ton avis, c'est possible que Marion ait vendu les médailles les derniers jours? Enfin, si c'est le cas, l'argent doit être quelque part. Tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Alors quoi ça te regarde, d'ailleurs, ces médailles? Excuse-moi, je voulais juste t'aider. La police va continuer à chercher. Si elle apprend l'existence de cet or, elle va encore te poser des questions. Des questions? Et alors? Je t'en prie, t'occupe pas de ça, c'est pas ton problème. Très bien. Sinon, je peux t'aider? T'as déjà contacté les pompes funèbres?
Tu veux que je m'en occupe? Oui. S'il te plaît, oui. Commissaire, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous connaissez cette clé? C'est sûrement une des clés de la maison. Vous l'avez trouvée où? Depuis quand connaissez-vous Mathias Waldman? Qui? Où étiez-vous à midi? Vous savez très bien où j'étais. J'étais en prison. Là où vous m'avez envoyé, vous l'avez oublié? Dieter, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes qui? C'est un ami. Vous avez été libéré à 11h43 exactement. Je veux savoir où vous étiez à 13h55. Je suis allé chercher M. Kesten à la prison et je l'ai conduit ici. Depuis, nous sommes restés ensemble. Je veux parler à mon avocat. Ah bon, alors vous n'avez rien vu de ce qui s'est passé? Non, je n'habite pas ici. J'entends seulement ce que les gens racontent. Mais M. Kesten... Bonjour. Il me semble, non? Oh, c'est une histoire insensée. Rappelez-vous, je vous l'ai dit la semaine dernière, mademoiselle Karine, ça va mal finir cette histoire, je vous ai dit. Ça va mal finir pour cette femme. 6 œufs frais, s'il vous plaît. Elle aurait eu tort de gêner son mari en faisant autant, il me semble, non? Oui, c'est vrai, mais elle aurait pu éviter de faire ça chez elle. 9 marques 35, s'il vous plaît. Oh, pardon. Si, si, donc, il faut que je me dépêche. Un litre de lait, s'il vous plaît. Bonjour, mesdames. Bonjour, ça va? Dites, vous êtes au courant pour M. Kesten? C'est pas incroyable? Quand avez-vous dressé ce plan? Et comment avez-vous rencontré Mathias Waldman? Combien l'avez-vous payé pour qu'il tue votre femme? S'il vous plaît, allez-y doucement. Vous pourriez peut-être déjà nous dire ce que vous reprochez à M. Kesten. Aujourd'hui, un peu avant 14h, un certain Mathias Waldman a été poussé du balcon de son appartement au 12e étage. Et voilà ce que nous y avons trouvé. Vous connaissez ceci? Oui, ce sont les bijoux que Marion gardait dans le coffre. Exact. Et ça, c'est la quatrième clé. Celle que votre femme avait soi-disant perdue, mais elle était répertoriée. Comment Waldman a-t-il eu cette clé? Comment a-t-il eu les bijoux? Là, vous avez fait une faute. Vous auriez dû emporter les bijoux et la clé. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Vous étiez trop nerveux? Ce n'est pas tous les jours qu'on pousse quelqu'un d'un balcon. Vous semblez oublier que mon client a un alibi pour l'heure du crime. Oui, d'un ami. Nous allons vérifier. Vous vouliez vous débarrasser de votre femme parce que vous la haïssiez. Mais c'est absurde! Maître, dites quelque chose. Monsieur Kesten, vous êtes en état d'arrestation. Pendant tout ce temps, le mari n'a jamais rien remarqué? Absolument rien. Vous savez, il y a des hommes comme ci, des hommes comme ça. Il y a ceux qui remarquent vraiment rien et ceux qui font semblant de rien voir. Mon deuxième mari, par exemple, tout lui était égal du moment que je restais avec lui. Voyons, arrête, qu'est-ce qu'il va penser de toi, ce jeune homme? Et alors? Je vais sûrement pas renier ce que j'ai fait. Bien sûr, toi, t'as pas osé, c'est pourtant pas les occasions qui t'ont manqué. Tiens, tu te rappelles le beau Peter, hein? Ça durait depuis un certain temps, alors? Oh, au moins 6 mois. Mais faut dire que c'est un sacré beau garçon. Assez grand, sexy, avec des boucles brunes. Oh, ravissant. Ils se rencontraient tous les dimanches, quand le mari s'en allait jouer au tennis. Parfois même le mardi. Il sait qu'elle est morte? Arrêtez de bouger, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. C'est un ami de Monsieur Kesten. Eh oui, l'ami de la maison, rien que ça, monsieur. Et en plus, le mari n'y voyait que du feu. Monsieur Kesten engage quelqu'un qui va commettre le crime pour lui, Mathias Waldman. Excusez-moi. S'il vous plaît, veuillez vous asseoir, monsieur Kesten. Continuez, je vous prie. Waldman doit jouer le cambrioleur qui se fait prendre en flagrant délit par la femme et doit la tuer. Kesten lui donne la clé, provoque une dispute avec sa femme, sort et se saoule afin d'avoir un alibi pour l'heure du crime. Vous vous souviendrez sans doute qu'à l'origine, M. Kesten n'avait pas d'alibi. Bien sûr, il a chargé son avocat de lui en trouver un, c'est encore mieux. Donc Waldman exécute sa mission, mais il ne s'en tient pas à ce qui était fixé. En fait, il devait seulement jouer le cambrioleur, mais il vide le coffre. Et en plus, il oublie de briser une vitre. Et ainsi, c'est Kesten qui est soupçonné. À peine libéré, il passe chez Waldman récupérer les bijoux de sa femme. Les deux hommes se disputent et là, Waldman est poussé du balcon. Kesten s'enfuit et dans sa panique, voilà ce qu'il oublie. Ça. Pour cette heure-là, il a aussi un alibi. Il était avec M. Nikolai Berger. Oui, un très bon ami qui prétend avoir été avec lui, ce que personne n'a encore pu confirmer. Dites-moi, de combien d'alibis a-t-on besoin maintenant? 2, 3, 4? Un mandat d'arrêt est délivré contre M. Kesten. Il restera en prison jusqu'à ce que son alibi ait été vérifié. Au revoir, messieurs.
Au revoir, madame le juge. Au revoir. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Accident du travail, remboursé par la sécu. J'ai une nouvelle intéressante pour toi. Une bonne, j'espère, parce que j'en ai besoin. Marion Castel avait un amant depuis déjà 6 mois. C'est vrai? Ouais, j'ai fait des rencontres sympathiques et j'ai appris certaines choses. C'était l'ami de la maison. Est-ce que par hasard, ce serait pas un brin avec des boucles? Comment ça se fait que t'es déjà au courant? C'est Berger. Nikolai Berger. Ah, ce Castel. Non! Fais attention à ton genou. Oui, non, ben, je fais attention, mais c'était l'autre, là. Ah! Ça, je vais le régler aujourd'hui. Je vais demander à M. Wagner. Monsieur Wagner, est-ce que vous avez le dossier Udo Bauer sur votre bureau? Désolé, mais il faut encore que je parle à M. Castel. Ce sera rapide, 5 minutes. S'il vous plaît, laissez-nous ça. Vous êtes responsable de lui. Merci. Allez, venez avec moi. Votre femme avait un amant, et ça, vous le saviez. Alors maintenant, il faut tout me dire. Mais comment voulez-vous que je vous défende si vous me cachez la vérité? Je n'ai jamais rien su. Laissez-moi tranquille. Vous ne croyez tout de même pas que vous allez me faire avaler ça? Tout le quartier raconte que votre femme avait un amant, et vous, vous êtes le seul à ne rien avoir remarqué, c'est ça? C'est absurde. Vous ne voyez donc pas que plus ça va et plus vous vous enfoncez? Vous me parlez toujours de choses importantes quand il est déjà trop tard. Pourquoi? Je ne peux pas vous défendre de cette façon, vous comprenez? Bon, alors, pour la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé avant-hier? Marion m'a annoncé qu'elle voulait me quitter. Que cette fois, c'était sérieux. Est-ce qu'elle vous a dit avec qui elle vous trompait? Non? Pourquoi? Je le connais? Un ami? Ça m'étonne pas. Tel que je connais ma sœur, elle devait même en avoir plusieurs. Mais en quoi ça nous fait avancer? En tout cas, avec ça, Castel est encore le premier sur la liste. Ouais, mais si c'est lui, ça doit faire un moment qu'il a tout mis de côté. Une tape française? Ah, je vois que vous êtes connaisseur. J'étais champion dans ma jeunesse. Ah. On ferait peut-être bien d'aller tâter le pot de son amant. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous le connaissez? Nikolai Berger. Eh, votre jeunesse me semble bien loin. Aujourd'hui, on joue sur la table. Qu'est-ce que vous avez dit? Comment il s'appelle? Monsieur Berger, c'est gentil d'être venu si vite. J'ai eu l'impression que c'était très urgent. De quoi s'agit-il? Voilà, monsieur Castel m'a dit qu'hier à midi, lorsque Waldman a été tué, il n'était pas avec vous. Alors bien sûr, j'aimerais savoir pourquoi vous lui avez procuré cet alibi. Je voulais l'aider. Oui, c'est ça dont je voulais discuter avec vous. Non, je ne suis là pour personne. Vous voulez un café? Non, merci. Je suis désolée, il est occupé pour le moment. Mais nous pouvons... Si la police se rend compte que l'alibi est faux, monsieur Castel sera encore plus dans le pétrin. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors, que puis-je pour vous? Comment s'est déroulée cette journée? Je suis allé chercher Dieter à la prison un peu avant 12h et je l'ai ramené chez lui vers 16h. Je suis retourné le voir et là, la police est arrivée. Où étiez-vous entre-temps? Et en quoi ça vous intéresse? Je vais vous le dire. Il y a que M. Kesten a dit qu'il était seul chez lui et que personne ne l'avait vu. Mais maintenant, il est possible que quelqu'un vous ait vu. Et dans ce cas, ce ne sera pas très bon. Pour nous tous, bien sûr. J'étais chez moi, je me suis changé et personne ne m'a vu. Vous en êtes tout à fait sûr? Ben enfin, je... On veut aider quelqu'un et puis... Oui, monsieur Kesten, vous en êtes très reconnaissant. En ce moment, il est plutôt incriminé par monsieur Yost, le frère de sa femme. Il va justement passer tout à l'heure. Vous le connaissez, bien sûr. Non. J'ai juste entendu parler de lui. Bon, on a terminé? Oui, c'est terminé. Merci d'être venu. Maintenant, je vais m'occuper de monsieur Kesten. Au revoir. À bientôt.
J'ai un message pour vous. Quoi? De la part de qui? D'un ami de Cologne, Bernd Jost. Affichez-moi la paix! Salut Nico! Eh ben alors? On dit plus bonjour? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu me veux? Viens parler avec toi comme avant. Tu te souviens non plus? C'est dingue ce qu'on picolait à l'époque à Cologne. Mais après, tu as disparu. T'as pris la tangente. Tu m'as même pas laissé ta nouvelle adresse. Mais je sais pourquoi. J'étais ivre, j'en ai trop raconté. À mon bon ami Nico, j'ai parlé de ma sœur et de tout l'or qu'elle gardait chez elle. Et le gentil Nico, il l'a enregistré. Et puis il a disparu. Il s'est tiré à Francfort, l'adorable Nico. Et puis il a réussi à se faire ma sœur. Et puis il s'est bien avec son mari. Et puis il a engagé un tueur pour tuer ma sœur. Un tueur qui nous a pris notre or. L'or qui était dans le coffre. Où est mon or? Je l'ai pas, c'est vrai, je l'ai pas. Attends, je te le jure. Qui c'est qu'il a? Mais j'en sais rien. Waldman devait le sortir du coffre pendant que j'étais couché avec Marion. Et je lui avais même donné ma clé. À cause de quoi ça a mal tourné? J'ai eu un accident de voiture et je suis arrivé trop tard. La police était déjà là. Marion a dû surprendre Waldman. Il croyait que nous étions en haut. Alors Nico, dis-moi où est mon or. J'en ai pas la moindre idée. D'après Waldman, le coffre était vide avec des papiers et des bijoux. J'ai cru qu'il voulait garder l'or pour lui et alors on s'est battu. Et c'est là que Waldman est tombé du balcon. Oui. Oui, mais je voulais pas ça. Pourtant, vous avez encore cherché l'or. Mais j'avais rien. J'avais rien, c'est vrai. L'or s'est volatilisé. Mademoiselle. Oui. Vous cherchez les Kesten? Oui, c'est ça, mais on dirait qu'il n'y a personne dans la maison. Vous ne savez pas ce qui s'est passé? Non. Quoi donc? J'ai aussi besoin de votre adresse à Cologne pour la facture. La facture? Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Pour mon travail. Vos honoraires étaient fonction de la réussite. Et attendez, attendez. En plus des honoraires établis sur la base de 400 marques par jour. Pardon. J'espère que vous n'allez pas encore me le rapporter demain. Ah non, demain c'est congé. Venez, je vais vous raccompagner. Non merci, ça ira maître. Et merci. Peter, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? On m'a dit que Marion était morte. Nico! Marion et Nico étaient ensemble. Quoi? Tu le savais? T'étais au courant et tu ne m'as rien dit. Mais c'était l'affaire de Marion, qu'est-ce que tu voulais tu que tu l'as laissé courir à sa perte. Tu l'as même poussé à ça, comme tu l'as toujours fait. Mais pourtant, mais n'importe quel idiot aurait vu qu'il n'en voulait qu'à son or. Qu'à son or? Mais pourquoi son or? C'est moi qui l'ai, l'or. Vous étiez au courant pour l'or? Oui, mais c'est pas possible, enfin c'est pas vrai. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Marion était enfin heureuse avec un homme qui, lui, ne la trompait pas. Elle voulait quitter Dieter et commencer une nouvelle vie avec Nico. Et pour ça, vendre les médailles, alors moi j'ai emporté l'or en Suisse, dans un coffre, à la banque, et... Et pendant ce temps, Nico, l'homme qu'elle aime, tue Marion parce que... Parce qu'il veut avoir l'or. L'or qu'il aurait eu de toute façon. Alors, comment ça se passe pour les coffres forts? On peut plus y avoir accès maintenant. Si, Kesten en tant qu'héritier. Et Jost aussi, peut-être. Ça dépend du testament. De toute façon, les médailles seront saisies dès qu'elles entreront sur le sol allemand. Il y a une horde de créanciers qui les guettent. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait pour ma prime? Comment veux-tu avoir une prime puisque tu n'as pas trouvé l'or? Mais j'ai trouvé le meurtrier. On peut voir aussi le contrat sous cet angle. T'es avocat. Bah, pour une fois, tu pourrais faire quelque chose pour moi. Joseph, pas d'or, pas de prime. C'est aussi simple que ça. Rainer, 50-50. Pour toi, ça ferait. Bon, alors tu montes. Mais enfin, ce pape-là, il doit bien pouvoir servir à quelque chose tout de même. Il reste peut-être une possibilité.
Je te le dis parce que tu es mon ami. C'est une vieille combine juridique qu'on utilise en dernier sort. Alors on prend le contrat avec les deux mains, entre le pouce et l'index, on respire à fond et on abaisse la main gauche.